Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors je tiens déjà à m'excuser, ça fait 4 jours que j'ai pas pu faire de vidéo. Ouverture, j'ai reçu de nombreuses participations, mais j'ai travaillé et ça a été la course. Je devais normalement faire quelques vidéos mercredi, mais j'ai dû inscrire mon plus grand au lycée. Il y avait des rendez-vous, enfin voilà, le train-train d'une maman de famille nombreuse. Aujourd'hui, on fête mon anniversaire et à cette occasion, je remercie toutes les scrappeuses, youtubeuses et copinottes qui me l'ont souhaité. Et donc aujourd'hui, on se retrouve avec une ouverture boîte aux lettres avec la participation d'Agnès. Voilà, donc Agnès, je te note sur mon petit calepin. Tu seras donc la lettre I, Agnès. Merci beaucoup pour ce petit envoi. Et j'ai reçu, je crois, le 29 juin 2020, ta participation. Donc, tu es la 9e participante. Donc, voilà. Et j'ai encore reçu là à l'instant un paquet. Donc, ben, voilà, le tirage au sort, je pense que je vais le faire. Je pense vers le 15 juillet parce que je sais qu'il y a un peu de retard avec la poste en ce moment et je voudrais donner la chance à toutes les participantes. Voilà, donc ça sera aux alentours du 15 juillet. En plus, je suis en vacances, donc ça tombe pile poil, j'aurai le temps de faire le tirage au sort et avant fin juillet d'envoyer les 3 lots pour mes petites gagnantes. Voilà. Donc Agnès, tu seras la lettre I. Merci beaucoup. Donc c'est parti, j'ai déjà ouvert. Mais je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Voilà, du coup je garde l'enveloppe à bulle parce que sur certaines j'ai les coordonnées, mais sur d'autres je n'ai pas. Donc j'espère. Je suis désolée pour le bazar, hein, le fond. Vous voyez ici, il y a toute... tous vos petits cadeaux, vos petites boîtes, etc. Mais j'ai dû en mettre d'autres à côté tellement enfin, il y a peu de place. Alors Agnès, c'est parti. Alors, oh, déjà il y a des très belles dés. Waouh, c'est très joli. Hein? Alors, on va commencer par la Memory Dex. C'est vraiment très joli. Donc là, elle a fait Agnès sur le thème vintage. Je vais la retirer parce que du coup, ça va réfléchir dans le... dans la vidéo, c'est très joli. Donc je suis désolée Agnès, je t'avais dit que je faisais la vidéo le week-end dernier, mais j'ai un petit peu de retard. Mais je t'avais prévenu par mail que j'avais bien reçu, non, si, que j'avais bien reçu ton paquet. Regardez comme c'est joli. J'aime beaucoup ces petites images vintage. Donc là on a une belle Memory Dex. Donc c'est vintage shabby un peu. Hein. On va dire que c'est les deux. Une petite découpe de papillon, une petite rose. Elle a fait elle-même un petit encadrement cadre avec de la dentelle de chez Action. Et je ne sais pas si vous voyez, sur le fond ici, il y a également une petite dentelle, des petites demi-perles. C'est vraiment très raffiné. Et le fond de carte, enfin de Memory Dex, c'est du rose pastel avec des petits feuillages blancs. C'est très joli, Agnès. Merci beaucoup. J'aime beaucoup ces petites photos comme ça. Alors, donc, Agnès, elle nous vient du 15. Arpajon-sur-Cère, je ne connais pas du tout, du tout. Donc, ton anniversaire, c'est le 8 septembre. Tu aimes le shabby, le vintage, les gorgeous, le rose, la dentelle, les fleurs, les papillons, les oiseaux et les fées. Un peu comme moi. Regardez comme elle est belle, sa Memory Dex. Et là, elle est venue mettre trois petites demi-perles sur le corps du papillon et qui est légèrement en 3D comme ceci. Très très jolie Memory Dex. Merci beaucoup Anne. Je la mets ici donc. Ensuite, elle est venue. Oh, c'est chouette ça. Alors ça, c'est des... Je suis obligée d'enlever sinon vous allez avoir le reflet, c'est pas bon. C'est des petits embellissements qu'elle a fait elle-même. C'est très joli. Donc là, elle a pris un papier 15-15 un petit peu mauve. Et puis, elle est venue faire des, ben, voilà, des petits embellissements
dont je pourrais me servir. Je vais essayer de l'enlever tout doucement. Des petits papillons qu'elle a fait elle-même. Donc elle a une découpe sur le fond, une découpe pleine de papillons. Et puis par-dessus, une découpe en rose poudré. Je sais pas si on voit bien. Et trois petites demi-perles. Donc il y a celui-ci, c'est très chouette pour mettre dans un album, dans une déco. Et le second, à peu près pareil, sauf que la demi-perle du milieu est violine. C'est très chouette, hein, il y a beaucoup, beaucoup d'idées. Merci beaucoup Agnès. Regardez. C'est beau tout ça. Alors j'aurais peut-être dû ouvrir ta carte avant, mais bon, ce n'est pas grave. Alors là, j'ai une très jolie carte aussi qu'elle a faite en rappel de la Memory Dex. Alors. Voilà, donc elle est venue utiliser à peu près le même sketch que pour la Memory Dex. Ici, elle est venue rajouter deux petites roses et une petite découpe ici, une petite fleur. J'aime beaucoup cette image. C'était vraiment joli les photographies d'antan. C'est vrai que c'est pas, enfin, je veux dire, celles de maintenant, elles valent pas celles d'avant. Et surtout, je trouve que les enfants ou les jeunes faisaient beaucoup plus âgés déjà. J'adore. Regardez comment elle est belle, la petite fille. Et donc, je vais lire son petit mot. Donc, Agnès me dit. Oh, je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose, mais je tenais à participer en espérant que mes petites créations vous plairont. Moi, tu peux me tutoyer, Agnès, hein, déjà. Félicitations pour les 500 abonnés. Bah, merci beaucoup. Bah, il n'y a pas de question de faire beaucoup de choses ou pas beaucoup. C'est l'intention qui compte. Et voilà, quand c'est fait avec le cœur, ça me fait vraiment très plaisir. C'est très joli, Agnès. Merci beaucoup. Et ensuite, elle m'a fait une petite pochette. J'en ai des découpes. Hein. Là, franchement, pendant les vacances, je vais vraiment m'amuser à. Attendez, je vais mettre tout ça là. Ce sera plus joli que voir mon cahier. Je vais m'amuser à faire plein de créas. Là, j'ai 5 semaines de vacances. Donc, je vais vraiment avoir beaucoup de temps. Alors, oh là là, il y a des jolies découpes. Alors, oh, c'est chouette ça. Des petites découpes comme ça, de style de petit napperon, tout petit. J'aime beaucoup. Ici, oh, c'est beau ça. Trop, trop joli. Ça fait comme des petits napperons en forme d'étoile de neige, flocons de neige, pardon. Qu'est-ce que c'est fin, ces découpes. J'aime énormément. Alors ça, j'aime énormément. Regardez, des petites clés qui sont attachées à un petit cadenas en forme de cœur. Qu'est-ce que c'est beau, ça, cette découpe. Ensuite, elle m'a fait des petites découpes de rose. Je vais peut-être vous basculer et vous mettre devant, comme ça ce sera mieux parce que je tends les mains, mais je ne sais pas si vous voyez super bien. Voilà. Ensuite, j'ai des petites découpes de papillons. Donc j'ai celui-ci. Je vais peut-être mettre sur un fond parce que sinon on ne voit rien du tout. En plus, j'ai même pas de fond. Celui-là. C'est sympa. Ça, c'est une petite, comme une petite étiquette. J'aime beaucoup. Chaque fois, vous arrivez à cibler mes goûts. C'est dingue, ça. Pourtant, on ne se connaît pas tout énormément. Mais bon, je pense qu'à travers les vidéos, on arrive à transmettre nos goûts. Là, on a des petits feuillages. Je vous les mets ici, hein, du coup. Petit, oh c'est chouette. Oh qu'est-ce qu'elles sont belles tes découpes Agnès. Oh j'adore. Alors là c'est les feuillages. Alors attendez, j'essaie de faire dans l'ordre. Donc là on a des petits feuillages. Encore un gros papillon. Bon, ça j'aime beaucoup. Là on a des petits
Les petits coins. Alors ça, je pense que c'est les dies de chez Action. Il y avait deux formats, les petits, enfin les moyens et les plus grands. Vous savez, pour faire un tour, un cadre ou un encadrement. Ou un petit ourson tout mignon pour une carte naissance. D'ailleurs, il faut que j'en fasse une. Très bientôt. Ceux-là, je ne les ai pas, les découpes en plus de chez Action. Le petit chien, trop mignon. La petite fille qui porte un ballon. Alors là, on a des découpes pleines de papillons. C'est celle qu'elle est venue utiliser là pour faire ses petits embellissements maison. Ouais, et puis après, par-dessus, on remet notre découpe. Un autre petit nounours. Là encore, des papillons. En grand format et en petit format. M'a gâté, hein. Feuillage, je vous ai déjà montré. Un petit lapin. Trop mignon le petit lapin. Ça, j'aime beaucoup, beaucoup aussi. Comme une lune décorée avec du feuillage. Un petit cœur. Deux petits cœurs. Des petits oiseaux sur la branche. Le petit chat. Encore un petit lapineau. Un petit papillon. Et puis toujours une toute petite étiquette toute fine. Petit médaillon, on va dire plutôt. Et ben, j'ai encore été énormément gâtée. J'aime beaucoup là tes découpes là de comme de napperon un petit peu, j'adore. Enfin, toutes tes découpes sont magnifiques. Eh bien, écoute, Agnès, je te remercie énormément pour ta participation. Ça me fait vraiment très très plaisir. Je suis toujours heureuse d'ouvrir vos paquets. C'est toujours un émerveillement pour moi. Et puis surtout, ça me fait super plaisir qu'on ben, voilà que je sais qu'il y a des personnes qui créent des petites choses comme ça pour me faire plaisir. Donc ça me touche tout autant. Eh bien écoute Agnès, donc je te rappelle, tu es la lettre I. Je te remercie énormément. Je te fais de gros bisous. J'encourage mes abonnés ou les futurs à mettre un pouce bleu sur cette vidéo ben, pour t'encourager. Comme je vous l'ai dit, enfin, j'avais notifié en commentaire il n'y a pas très très longtemps, il y a quelqu'un qui s'amuse en fait à mettre des pouces vers le bas à chacune de mes vidéos. Donc ça c'est particulièrement agaçant. Donc si cette personne me regarde, si mes vidéos ne lui plaisent pas, elle n'a qu'à passer son chemin. Alors c'est soit peut-être simplement de la bêtise ou de la jalousie, je ne sais pas. Mais enfin moi en tout cas, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je passe, mais je ne m'amuse pas à mettre des pouces en bas, quoi, simplement pour faire du mal, quoi. C'est de la méchanceté gratuite. Et en plus, c'est de la méchanceté bête et méchante parce que c'est derrière un écran. Donc c'est toujours plus facile de cliquer que de mettre un commentaire. Enfin, que d'avoir la force de mettre un commentaire négatif. Donc, moi je sais hein, que c'est monnaie courante sur YouTube et que de toute manière. Ça, je m'y attendais. Mais à la rigueur, mettez des pouces en bas quand ça concerne uniquement mes créations, mais pas celles de mes abonnés. Ça, par contre, ça passe pas du tout. Voilà, c'était une petite mise au point. Que mes créations vous plaisent pas, eh bien, allez-y, amusez-vous, mettez des pouces en bas. Par contre, quand c'est des participations concours, ça, je supporte pas du tout. C'est un petit coup de gueule, mais je tenais quand même à le dire, qu'on s'attaque pas à mes abonnés. Ma chaîne, voilà, elle me concerne, elle est en mon nom. Donc, si vous avez des commentaires négatifs ou des pouces en bas à mettre, faites-le sur mes vidéos. Voilà. Voilà, c'était ma petite période, mon petit laps de temps énervement, mais bon, je trouve ça vraiment pénible, les gens qui se délectent de faire ça, quoi. Surtout derrière un écran. Bref. En tout cas, Agnès, je te remercie énormément. Je te fais de gros bisous. Cette semaine et demain, certainement, vont suivre d'autres vidéos. Alors, je vais juste quand même vous montrer les lettres que j'ai reçues pour que certaines soient rassurées. Donc, j'ai reçu la participation d'Ariel, la participation, pardon, de Samantha,
J'ai reçu aussi celle-ci avec les timbres du Petit Prince. J'ai pas de nom derrière. Et j'ai reçu aussi la participation d'Estelle pour mon anniversaire. Elle m'a fait un petit quelque, enfin un gros, voilà, quelque chose de sympathique. Donc je vous ferai une vidéo également par la suite, donc dimanche, lundi, mardi, je pense. Et je vous rappelle, je pense, tirage au sort le 15 juillet et j'enverrai les lots dans la semaine qui suivront ou vers fin juillet. Parce que là, comme c'est les vacances, c'est un peu compliqué. J'ai mes quatre loulous, il faut les occuper. Donc voilà les filles. Bah, écoutez, je vous fais à toutes de gros gros bisous et je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.